fils aîné de la star québécoise Céline Dion et de son défunt mari René Angélil, René Charles va épouser sa compagne baptisée Angélique. Le magazine Closer a d'ailleurs dévoilé quelques informations concernant la future belle-fille de la chanteuse vendredi 30 août 2024. Un heureux événement va prochainement avoir lieu au sein de la famille de Céline Dion. En effet, son fils aîné, baptisé René Charles, va bientôt se marier avec sa compagne de longue date, Angélique Wekenmann. En effet, selon les informations dévoilées par le magazine Closer vendredi 30 août 2024, le couple s'est officiellement fiancé après plusieurs années de vie commune. Née en 2001, Angélique Wekenmann aurait rencontré René Charles Angélil pour la première fois en 2016. Les deux tourtereaux se seraient rapprochés notamment grâce à leur passion commune pour les sports de glace. En effet, la jeune femme pratiquait le patinage artistique, tandis que son futur mari jouait dans une équipe de hockey sur glace au moment de leur rencontre. Côté vie professionnelle, Angélique Wekenmann travaille aux côtés de sa mère, qui occupe le poste de directrice financière chez Wynn, dans un hôtel de Las Vegas. René Charles Angélil et sa fiancée auraient d'ailleurs récemment quitté Las Vegas pour s'installer ensemble dans un lotissement VIP situé dans la petite ville de Mesquite, à 120 km de Las Vegas. Par le passé, les deux tourtereaux s'étaient séparés une première fois, avant de finalement se remettre ensemble. Ils souhaitent donc désormais sceller leur union de manière officielle en se passant la bague au doigt. Un moment que la mère de René Charles Angélil a longtemps redouté. « Je ne sais pas comment je vais réagir le jour où il va ramener à la maison celle qu'il pensera être la bonne. » Si on s'assoit dans le salon et qu'elle met la main sur la cuisse de mon gars, je vais craquer. Mais l'important, si est-il qu'il trouve la bonne personne, et qu'il soit heureux. Moi, j'ai choisi le mien, je veux qu'il choisisse la sienne, avait notamment déclaré Céline Dion dans l'émission de télévision québécoise baptisée Sucré-Salé. Céline Dion trouverait sa belle-fille Angélique Wekenmann adorable par le passé. Certaines rumeurs affirmaient que la chanteuse n'appréciait pas particulièrement sa belle-fille. Elle lui aurait notamment reproché d'être trop enfant gâté. Cependant, le magazine Closer a finalement démenti ces fameuses rumeurs concernant les mauvaises relations entre Céline Dion et Angélique Wekenmann. Céline l'a déjà reçue chez elle et se félicitait des liens que la jeune fille créait avec ses jumeaux. Elle la trouve adorable, avait notamment affirmé Hervé Tropea dans les colonnes du magazine Gala en juin 2023.